Salut à toi, jeune joueur de Clash of Clans, Clash Royale, ou même Stevie, on s'en bat les couilles. Aujourd'hui, je vais te montrer mon village Clash Royale, et en fin de vidéo, on fera une ou deux attaques, j'ai déjà préparé des dragons et un petit sort pour la vidéo. Alors, il faut savoir que je joue à Clash Royale assez souvent maintenant, et oui, je suis sur PC, je suis sur un émulateur, et alors? Donc, j'y arrive pas, c'est galère à récupérer l'or et l'élixir. En tout, ça se peut faire allez, un an et demi, 2 ans que je joue. Que je joue vraiment, parce que sinon ça fait longtemps que j'ai ce compte, mais j'y jouais jamais. Et c'est pour ça que ça s'appelle Super Geek et que je ne peux pas changer le nom, car je l'ai déjà changé une fois. Alors ça bug beaucoup, on est sur la Terre et on est sur PC, et voilà. Et oui, tu ne me crois pas? Et bien voilà une preuve. Voilà. Donc on va faire une petite attaque. Oh, pardon, d'abord je te présente. On vient là pour présenter et on commence direct les attaques. On va commencer par ma caserne. Donc cette vidéo durera trop longtemps. T'entends la musique de la PS4? Donc ici j'ai une caserne 1, j'ai tout ça niveau 11, voilà. Je vais pas toutes vous les citer, donc c'est mes extracteurs d'élixir. Toutes mes casernes niveau 9. Je suis plutôt fière, ouais mon gars. Ici j'ai toutes mes mines d'or niveau 11. Tous les camps militaires niveau 5. Hop, fail. Ici j'ai un extracteur d'élixir noir, une forêt d'élixir noir niveau 1. Et c'est tout que j'ai à vous présenter dehors. Des bombes, mais sinon vous en battez les couilles. Une usine à 100 niveau 3. Et 3 petites cabanes. Et c'est tout. Voilà. Et des remparts. Ici, on a donc toutes mes tours d'archer qui sont niveau 7. Tous mes canons qui sont. Ici, j'ai tous mes réservoirs niveau 10. Tous mes réserves d'or niveau 11. Ici, j'ai les mortiers niveau 4. Les canons niveau 8. Oh putain. Je l'ai déjà dit. HDV7. Oh putain. Ça vous a fait des oreilles, désolé. J'aurais dû faire un truc au montage. Ici, HDV7. Deux tours de défense, encore une fois fail, niveau 3. Toutes mes tours de sorcier. Et dans vos scènes, j'ai pris même la peau du cul, la peau des fesses. Voilà. Donc, toutes mes bombes sont niveau 3, sinon. Non, faux. Niveau 2. Bref. Et voilà. Donc je vous laisse admirer un petit peu de loin ce que ça donne. Putain, casse-toi! Voilà. Ça donne. Ah! Voilà. Donc c'est parti. Donc pour mon clan, pour ceux qui se demanderaient c'est quoi mon clan? Il y en a beaucoup, je sais pas si vous allez pouvoir venir. On est sur invitation en plus. C'est sur Marius, voilà. Oui, le premier, on peut dire qu'il a du niveau, hein. On peut dire qu'il est haut dans le game. Voilà, voilà. Et puis moi je ne sais même pas pourquoi ils m'ont invité. C'est même pas des potes en plus. Regarde, je te montre. Non, ah si. Moi je suis là, tu vois, je suis nouveau en plus sur ce clan. C'est vrai qu'il est bien et puis ils sont super sympas avec moi. Donc on va faire une petite attaque, c'est parti les mecs, parce que la campagne j'y arrive vraiment pas. Ok, on arrive déjà à la campagne. Alors ça c'est extrêmement simple. Et c'est pour ça qu'on va l'attaquer. Donc, on va pour commencer par l'attaquer. Si vous voulez que je vous fasse des tutoriels, n'hésitez pas à me dire sur Clash of Clans, sur Clash Royale. Et oui, parce qu'on est Clash Royale, du coup. D'ailleurs, sur Clash Royale, je suis R26. Voilà. Voilà. Pour ceux qui se demandaient, tu vois. Alors là, je joue comme une merde. Je suis nul. Alors ne me demandez pas des tutoriels sur l'attaque. Sur les villages, oui, si vous voulez. Sur la défense, c'est la même chose. Mais sur l'attaque, ne me demandez pas. Je suis une grosse bitch. Je pose tous mes dragons au même endroit. Comme ça, ils sont butés. Voilà, et c'est comme ça que je gagne. Petit accéléré parce que sinon vous allez largement vous faire chier. Alors là on peut voir que ceci là est en train de me niquer. Donc je vais vous montrer après mes petites troupes que j'ai des. Enfin que j'ai, même si vous vous en doutez déjà. Je vous spoil ou pas? Non, je ne vous spoil pas. Voilà, ça fait durer la vidéo. Et voilà. D'ailleurs, on m'a demandé, j'ai eu un commentaire d'un abonné. D'ailleurs, je vous remercie beaucoup. N'hésitez pas à poser des questions pour les 100 abonnés. Je vous ferai une FAQ. On tente les 100 abonnés à mon anime. Mon anime, c'est quand? C'est le 18 juillet. On est obligé de dire l'année? Non, alors on n'est pas obligé de dire l'année. Voilà, donc on tente les 100 abonnés avant le 18 juillet. Mais je ne m'inquiète pas parce que là, on gagne à peu près 3 abonnés par jour. Je ne m'inquiète absolument pas. On est bientôt aux 80. On tente les 80 avant lundi. C'est faisable.
On est une semaine alors qu'on est déjà à 76. Ça se trouve, on est déjà au 80. Non, c'est ce qui m'est arrivé lors du tournage de Pyro Jump. J'avais dit entendre les. D'ailleurs, c'est une vidéo de merde. J'avais dit entendre. Ta gueule! Tu es moche! Il fait pas beau! Les 70 abonnés, sauf que pendant que je faisais le montage, j'ai toujours sur mon deuxième écran live count. Et puis là, je vois, boum, 70. J'avais les boules, mais. D'un côté, j'étais content, tu vois. Du coup, j'ai appelé tous mes potes. Tous les potes que j'ai appelés ne savaient pas dire dans les commentaires. C'était pas dire ouais ce gros fils de pardon il m'a appelé pendant que je dormais. Oui, parce qu'il était il était tôt hein. Enfin, il était pas si tôt que ça, mais alors voilà, on peut voir ici que c'est magnifique. Waouh, ouais, par contre d'où j'ai pas mon bonus. Oh, mon petit gars, ça va pas le faire si j'ai pas mon bonus hein. On est d'accord, au niveau de l'élixir, ça pue la merde hein, l'élixir noir. Ah voilà. Donc pour les troupes, j'ai ça. Voilà. C'est tout ce que j'ai. D'ailleurs, ils ont changé les petites ça, voilà. Ça intéresse que je vous fasse des vidéos toutes les mises à jour de Clash of Clans ou Clash Royale, bien entendu des putain. Bien entendu des trucs qui ont changé. Voilà. Comme ça vous voyez mon Skype en même temps. C'est parfait. Mais de toute façon, il est toujours dans les infos de la vidéo mon Skype. Voilà, donc ce que je vais faire, c'est quoi n'est pas vraiment. On propose toute notre or, parce qu'on a beaucoup d'or, c'est bien. Et qu'on améliore un petit peu nos remparts, parce que là. Oui, on va améliorer là. Tac. C'est très long d'améliorer les remparts. En fait, je vous explique que je pourrais passer HDV8, parce que pas mal de fois, j'ai eu 800 000. Combien c'est 2 millions. Parce que 800 000, c'est un peu. Pas mal de fois, j'ai déjà eu 2 millions d'or. Mais j'ai peur que mon village à un moment pue la merde. Parce que du coup, ça fait que mes remparts sont tous niveau 1. Tout niveau 1. Je devrais tout remaxer. Et voilà. Du coup, pour l'instant, je préfère tout me maxer. Parce que là, je suis plutôt bien. Je me maxe plutôt assez vite. Voilà, faux. Et donc, voilà. Donc, j'ai pas envie de. Mais je le passerai un jour. Voilà. Trop de E. Tu le. Voilà. Donc voilà les mecs, c'est déjà la fin de cette vidéo. N'hésitez pas à liker et à vous abonner pour encore plus de vidéos.